Interlude. Le sang de Manoroth, on en parlait hier. Donc Manoroth, apparemment c'est son sang qui a contaminé les orques. De mémoire. Mais je veux pas dire de bêtises. C'est parti. Qu'est-ce que tu veux, le cher Bug? C'est pas qui je suis, moi. La forêt d'Orneval. 10 000 ans n'ont pas suffi à me faire oublier cet endroit maudit. Nous voici chez notre vieil ennemi, Cenarius, le demi-dieu des elfes de la nuit. En effet, et le seigneur Archimonde exige la défaite de Cenarius avant que nous envahissions Kalimdor. Tout à fait. On est Oh, fait sans contaminer. Tu connais pas du tout rien ne me Adonio ferait plus plaisir que le Warcraft combattre de nouveau. ou si. Mais il est rusé et se montre rarement à découvert. Signe du destin ou non, vos petits orques ont récemment dévasté la forêt et attisé sa colère. Le seigneur Archimonde et moi pensons qu'ils pourraient se débarrasser de Cenarius à notre place. Ils n'ont aucune chance face à Cenarius. Si j'ai bonne mémoire, ses pouvoirs sont immenses. Les vôtres ne sont pas en reste. Le pacte de sang que vous avez conclu avec les orques vous lie toujours à eux. Vous n'avez qu'à leur insuffler votre énergie une fois encore. Que suggérez-vous, seigneur de l'effroi? Faudrait qu'il fasse attention, il brûle. Versez votre sang ardent dans ce bassin. Sa corruption attirera les orques. Et une fois qu'ils auront de nouveau goûté à votre sang, nul ne pourra les arrêter. Oh bordel. Ah ouais, lui quand il se fait saigner, il y va costaud! Ça, c'est un rire machiavélique. On y retourne. Le chapitre 5. Le chasseur des ombres. Le lendemain matin, dans les sombres forêts d'Orneval. Alors, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc là, on joue Grommash. Grommash hurlant Fire, Elskrim. Et on était attaqué par les elfes. Et par plus exactement par Cenarius, un demi-dieu. C'est parti. Défense, camarade! On a coupé du bois. Hein. Résumé des épisodes précédents. Alors qu'on découpait toute la Qui forêt. ose profaner ces terres Mais les anciennes? elfes étaient pas contents. Qui ose défier Cenarius et les elfes de la nuit? Au combat! La forêt est vivante! Nous sommes attaqués! Oh, portel les casse-couilles. T'as cherché! Est-ce qu'il y a des gens à sauver? Quoi? Ouais. Okidoki. Que dois-je faire? Allez, on rentre, hein. Du travail, encore du travail. Vous ne pouvez pas me vaincre. Je suis l'âme de ces terres. Ok. Notre ville est assiégée. Avec plaisir. Directement là, c'est pour ça, voilà. Trop nombreux. Nous deux.
devons battre en retraite. Ouais, je l'ai déjà commencé, t'inquiète. Notre fil est asséché. Il nous dégomme. On a beaucoup de bois. Alors ça, on a la chance de pouvoir s'asseoir sur nos précédentes récoltes. Je vais y penser. Donc on a énormément de bois, ça c'est une très très bonne nouvelle, on va en avoir vraiment besoin. Oh bordel. Donc quête, défendre la base principale à l'est de la rivière. Donc là c'est celle-ci. Prêt à travailler. Je pense qu'on va vraiment pas avoir le temps de niaiser, il va falloir... Que dois-je faire? Je peux le faire. 110. Prêt à travailler. On va défendre à ce niveau-là. Hein. J'ai déjà éradiqué les vôtres par le passé. Et je vais recommencer. T'as déjà détruit les orques? Alors ça, vous voyez, là il vient de dire quelque chose. J'ai aucune idée de ce dont il parle. Mais peut-être, hein. On va... Je vais le croire. Encore une fois, du bois, on en a énormément. Là, c'est n'importe quoi, les gars. Vous faites la queue. Du travail, encore du travail. Avec plaisir. Je peux le faire. Est-ce que j'en ai trop? Est-ce que c'est ok? Ça a l'air un flux ok. On les voit, ils s'installent. Ils s'installent. Ils détruisent tout. Travail. Vous ne pouvez pas me vaincre. Je suis l'âme de ces terres. Ouais, là, tout de suite, j'ai pas forcément l'impression de te vaincre, hein. Il est assiégé. Oui. Allez, de l'or. Okidoki. Ok, ok. Il est où d'ailleurs, Scénarius? Au milieu? Ah, il est là. Oh, les dégâts du truc. Hop, c'est pas une unité très chère en or. Mais force brute, confère 100 points de vie, 3 points de dégâts supplémentaires. Oh, c'est pas mal. En vrai, on signe, hein. Travail terminé. Voilà, c'est ça qu'on veut. Travail terminé. Il faut plus d'or. Travail terminé. Alors j'y travaille. Ok, il a tout détruit. Ok, il fait pousser les forêts. Alors c'est pas grave qu'on les détruise. Pourquoi ils nous embêtent? Si c'est si facile. Tolérance zéro, le mec. À présent, mes guerriers, chassez ces sauvages de nos terres. Je veillerai sur vous depuis la forêt. Merci, bah. Mais écoute. Vengeance pour Zul'jin. Là, ils arrivent. Notre ville est assiégée. Oui. Prêt à travailler. Arrête, 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 c'est n'importe quoi. Bah, c'est trop fort! Notre ville est assiégée. J'en ai assez. Quand vous voulez. Avec plaisir. Chef, je vais y penser. Mais l'attaque est absolument inutile trop vite. Que dois-je faire? Ah non, mais là, je veux bien faire des efforts, mais... La vache! la vache, quelle attaque pour commencer? Oui. Du travail, encore du travail. Chef, nous
va m'attaquer. Mais j'ai bien vu ça que je t'attaquais. Ok, il reste que ça. Que dois-je faire? Du travail, encore du travail. Mais... Okidoki. Mais... Je peux le faire. Avec plaisir. Oh là là, que c'était dur. Quel enfer. Ça c'était... Nous l'enfer. Je perçois une puissance maléfique dans la région. Cela pourrait être la clé pour anéantir Cenarius. Okidoki. Du travail, encore du travail. Eh ben, mesdames et messieurs, c'était pas une petite attaque, hein. Je n'ai plus personne. Tout a été détruit. Je pense que c'est pas mal qu'on ait anticipé directement sur la B2. Je peux le faire. Okidoki. Ok, donc maintenant on va devoir défendre à la dure. J'en ai assez d'attendre. Travail, travail terminé. Il faudra les filets. Il est où mon... Mais je suis un naine. C'est ça qu'il faut faire directement là. Et pourquoi je fais pas ça? Il faut un autre chantier. Oh ouais. Travail terminé. Avec plaisir. Du travail, encore du travail. On voit ce qui arrive, on voit un peu ce qui se prépare. La première attaque était sacrément costaud, hein. Je sais pas s'il va se venir par là-haut ou pas. J'espère pas. Au niveau des entre des arcs, j'en ai perdu qu'une. Recherche terminée. On va la refaire. Impossible de travail, encore du travail. Hop. On fait un peu de couper en vrai. Terminé. Travail terminé. Ouais, c'est riche. L'or, on a dit qu'on avait 20 000 dans cette mine. Dans cette mine, pardon. Et 26 000 dans celle-là. Ok. Travail terminé. Ok, je pense qu'on va aussi faire un docteur. Ouf, bon. Bon, je m'attendais vraiment pas pour un... Travail terminé. Un truc aussi énorme d'entrée de jeu. Ça m'a un peu surpris. Vengeance pour Zul'jin. Travail terminé. Recherche terminée. Chef. Faut rester un peu au milieu. Enfin. Travail terminé. Que dois-je faire? Travail que dois-tu terminé. Faire tu aller là-haut. Recherche terminée. Vous allez réparer ça. Oui. Là, il faut plus ici. Hein. Avec plaisir. Quand vous voulez. Travail terminé. Okidoki. Recherche terminée. Je peux le faire. Okidoki. Du travail, encore du travail. Hello, Basile. T'arrives dans une situation un peu de crise, je me suis pris une attaque dès le début, je me rappelais pas qu'elle était aussi énorme. Vraiment, ça m'a fait tout drôle. C'est quand vous voulez. J'en ai assez d'attendre. Avec plaisir. Je peux le faire. Je suis sur les côtes des elfes, c'est plutôt les elfes qui sont sur mes côtes, hein. On va être tout à fait honnête. Là... Stop. Travail, non mais répare mec, et pas peur, au pire tu prends des petits Non, ça c'est vraiment un bail de merde, arrête. Stop, arrête, t'es con. Ok, en fait j'ai pris une première attaque énorme. Et là ça va maintenant mais... Avec plaisir. Du travail, encore du travail. C'est autre chose à réparer. Oui. Je peux le faire. Ça va. Un peu. Du travail, encore du travail. Oula, je pense que tu vas aller là. J'en ai assez d'attendre. Mais en vrai, je dis ça. Là, on s'est plutôt bien stabilisé déjà.
peuvent venir maintenant, je les attends un peu. Okidoki. On va mettre une là et une copine ici. Avec et je pense qu'on va bientôt pouvoir aller faire la mission qui consiste à localiser la source de puissance. Terre, feu, tempête. Travail, en fait, c'est ça qui est dur, c'est qu'on a peur de sortir de la baraque parce que travail, terminé. Vraiment dès qu'on sort, on se prend un machin dans le nez. Travail terminé. Mais bon, on va y aller. On a un docteur avec nous. Ah, je suis nul. J'ai fait ça pour tout faire d'un coup et je le fais même pas. On prend la prochaine attaque. Et après, on envoie l'armada. Normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller en vrai. La défense, elle devrait tenir. La mission, elle est prévue pour qu'on puisse. Je vais y penser. Regardez là, faut même pas attaquer, on est déjà mort. Comme vous voudrez. Allez, on y va. Je vais y penser. Que dois-je faire ? Travail terminé. Travail terminé. Qu'est-ce qu'il fait ? Du travail, encore du travail terminé. Pour la horde. Je peux le faire. Okidoki. Allez. La merde, fais pas ça, moi. Recherche terminée. J'en ai assez d'attendre. Voilà, bonjour les loups. Enfin. Pourquoi j'avais mes Seijin qui étaient au contact là, hein? Comme vous voudrez. J'aimerais bien avoir un autre docteur en vrai. Chef, utiliser des moteurs de péon pour détruire les arbres et dévoiler un nouveau chemin. Ah bah d'accord, on est bloqué direct. Comme vous voudrez. Ça va, tout le monde va bien ici. Oui, travail terminé. Oui. On en laisse 4. On va envoyer des péons, hein, mais. Je vais. Non, non, bah, on y retourne, en vrai. Encore une fois, je pense que la base a pas besoin de moi pour défendre. On y va. Oh, j'ai un grunt. Bête. J'en ai assez d'attendre. Oui. Allez, démolisseur. Viens. Et là, il y a quelque chose derrière. Recherche terminée. Recherche terminée. Comme vous voudrez. Comme vous voudrez. Oui, chef. Oui. Hop. Nous, on a bien fait comprendre aux elfes de la nuit qu'on n'aimait pas les arbres. Et c'est un peu pour ça qu'on se bagarre. Pour faire valoir notre culture. Qui demande le docteur ? Des Furbolg ! Tu tiens là ? Toute ma gueule. Notre fil est assiégé ! J'en ai 3 qui glandent rien ici. Oh what, il m'attaque avec des... Bon, ça va. Je peux le faire. Du travail, encore du travail. Et ça y est, on a les balises de soin. Castillo. Ça me va parfaitement. Quoi ? Mais... Comme vous voulez. Oui, prends ton tarif, lui. J'en ai assez d'attendre. Ok, on s'est posé notre petite base de soins. On fait nos améliorations. Chef, enfin, et on continue notre route. Je vais y penser. Enfin. Hop. Les petites balises qui sont posées. Potion aussi magie. T'arrives à récupérer toi ou pas? J'en ai assez,
Yes, bingo. Ok, 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 on revient là. Ouh, les belles griffes d'attaque plus 9 pour Garrosh. Pour Chromash. Garrosh, qu'est-ce que j'ai raconté? Chromash. Ma gueule. Merci. Pas de survivants. On détruit tout. Comme vous voudrez. Recherche terminée. Passer le grand match devant, les je oiseaux qui me font peur, qui passent au-dessus de moi. Enfin. Comme vous voudrez. Ah, l'assaut! Pour ce faire, on utilise pas trop les pouvoirs de gros match, on en a pas vraiment besoin. Chaîne de santé, c'est bien ça. Enfin. Allez, on se téléporte. Je vais y penser. Je sais pas ce que je fais. Que dois-je faire? Avec plaisir. C'est si mignon. Okidoki. J'en ai assez. Ah voilà. Je l'ai fait. Ok, on s'est téléporté. Comme vous voudrez. On avance. Enfin. Pourquoi c'est le docteur qui est en premier? J'aime pas trop. Ça me va parfaitement. J'en ai assez d'attendre. Qui demande le docteur? Ok, les satyres, c'est un peu des elfes de la nuit, hein. Je vais y penser. Potion de son supérieur, on s'en fiche. On s'en comme vous voudrez. Fiche royalement. Allez, on laisse passer. Les bonnes unités devant, s'il vous plaît, on fait un effort. Je vais y penser. Ah, là on sent qu'on s'approche d'un truc. Comme vous voudrez. Oh, qu'est-ce que c'est que cette enfin chose? Un pyromancien satyre. Il va ressusciter des morts, lui, non? Voilà. Encule, encule, encule. La balise de soin qui était plutôt inspirée. Une orbe de feu, génial. Ah, vas-y. Comme vous voudrez. Vas-y. Et puis, bah, vas-y. Je vais y penser. Chromash, t'es où? Chromash. Chef. Un effort, quoi, c'est pour que toi, hein. C'est évident. Enfin. C'est évident que ce n'est pas pour tes unités, enfin. Qui c'est qui est là? Personne. Comme vous voulez. On avance et on détruit tout. Ouais, chiant. Il a un petit côté insignifiant à côté de ses potes. Aïe aïe aïe, on va en perdre une. Ah, ça tape fort cette connerie. Oh, ça tape de trop loin. Que dois-je faire? Du travail, encore du travail. Youhou. Je peux le faire. Avec plaisir. Voilà. Quoi? Oui. Hmm? Okidoki. Okidoki. Que dois-je faire? Je suis parfait attaqué en bas depuis tout à l'heure, on est d'accord, hein? Chef, je vais y penser. Il va y penser, mesdames et messieurs. Enfin. C'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas de quête annexe ici, il y a juste nous qui défonçons enfin des gens. Je on est full vie, on s'arrête pas à la fontaine. La comme fontaine, c'est voudrez pour les elfes et les pleutres. Enfin. Comme vous, vous y voilà. L'énergie noire que je percevais provient de ce bassin. Imbécile. Les maîtres nous ont chargés de protéger ce puits. Vous n'êtes pas digne d'en boire les eaux noires. Peu importe qui vous êtes et qui vous servez. Personne ne me barre la route. Voilà. T'as vu ce qu'il a dit? Travail terminé. Personne lui barre la route, les gars. Ça, c'est pour les faibles, c'est pareil. Cheese. Enfin. Ok. On a atteint la source. On peut être fier de nous.
Bon, en fait, pas si agressif que ça, les elfes, juste au début. Le pouvoir émane du bassin. Et je sens la puanteur démoniaque qui l'abrite. Je suis déjà maudit. Si je dois boire de cette eau pour vaincre Scénarius, je le ferai. Non, c'est contraire à ce que le chef de guerre nous a enseigné. Nous ne devons pas laisser la rage nous emporter. Au contraire, soldat. Nous devons l'accepter. Nous sommes les instruments de la destruction. Tel est notre destin. Oui. Je suis tout rouge. La puissance en moi. Venez tous. Il convulse. Buvez de cette eau sombre et vous renaîtrez. Ah, on a plus le temps de rigoler là. Allez, on rentre à la maison. C'était quoi ça? Ah, c'était la fontaine. Enfin. Je vois rien. Veille penser. Mais c'est par là. Comme vous voudrez. Notre ville est assiégée. Non, 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 notre ville n'est pas du tout assiégée. Ouais, les péons qui deviennent tout rouges. Franchement, quand on voit ça. Je peux le faire. Avec plaisir. Même pas il arrive, j'ai l'impression que même nos tourelles sont plus fortes. Je vais y penser. Et je suis giga riche. Ces créatures nous assiègent et leurs demi-dieux se terrent toujours dans la forêt. Comment allons-nous le vaincre? Oh, en y allant tout droit. Lâche. Personne n'est invincible. Si nous voulons vivre, Scénarius doit mourir. Ouais, ouais, il a raison, hein. Encore du travail. Il a raison. Je peux le faire. Quête principale, mesdames et messieurs, tuer Scénarius. Comme vous voudrez. TP. Attendez. Enfin. Allez, on rentre à la maison. Et on défonce tout. J'aime pas regarder ce qu'il y avait dans cette boutique, on va regarder un petit coup. Ah, on va passer, bah c'est parti. Même les codons l'air énervé. Hop, tuer Scénarius. Scénarius qui doit être ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que nous. Nos bases, elles tiennent toutes seules, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On s'en fout, Grommage, ça y est, là, il est excellent. Il a une orbe de feu, il a les greffes. On sait pas comment il a fait pour trouver l'orbe de feu d'Arthas, mais... Enfin. Mais on signe. Travail, encore du travail. Hop. Là, mesdames et messieurs, je vois pas ce qui peut mal se passer. Hein. Là, normalement, de mémoire. J'en ai assez. De mémoire, ils sont cheatés en fait. Je vais y penser. Terre, feu, tempête, entendez mon appel. Donnez-moi vos ordres. De mémoire, ils sont bien cheatés. Comme vous voulez. Hop, hop. On est pas mal, on peut en faire encore un, allez, hein. On va rester comme ça au niveau de notre pop. Alors. Comme vous voudrez. Nos équipes, c'est quoi? Chef. Enfin. Et il y en a un autre qui arrive. Vengeance pour Zul'jin. Si je dis pas de bêtises. Je vais taper moi. J'en ai assez d'attendre. Comme vous voudrez. Ils vont me détruire les trucs, ils ont des balistes. Très bien. Chef. Je peux le faire. Du travail, encore du travail. Avec plaisir.
Oh, mais très bien. Okidoki. J'en ai assez d'attendre. Donc ça, on a dit que ce serait l'armée numéro 1. Je vais y penser. Où je dois aller? Que puis-je faire? Oui, ça, chef. Qui a-t-il? Et bah voilà. Appelle. Simplement, l'armée numéro 2. Non. Besoin de mon aide? Que puis-je faire? Ça va être l'armée numéro 3 en fait. Qui je dois tuer? On m'appelle. Donnez-moi vos ordres. Qui a-t-il? Chef. Chef. Qui a-t-il? Qui a-t-il? Eh ben on va les défoncer, c'est ça qui se passe. Travail terminé. J'en ai assez d'attendre. Besoin de mon aide? Pas vraiment, mais... Eh... Qui suis-je pour râler? On n'est pas du tout attaqué, hein. C'est complètement nous, là... les instigateurs du mouvement. Voilà. On a même pas un gars qui est passé à moi à midlife. C'est juste de la dégommade. Encore une fois, non, hein. Certes, c'est l'impression que ça peut donner, mais... ça va le faire. Avec plaisir. Du travail, encore du travail. Je peux le faire. Okidoki. Avec plaisir. Ça va ici, j'en les copains? J'ai assez d'attendre. Oh, j'ai perdu quelqu'un. Oh, on a perdu un rue. Chef. Enfin. On va voir s'il y a un petit truc par là. Là, on est vraiment en mode on roule sur le monde, on peut se permettre d'explorer un petit peu. Y'a rien? C'est une impasse? Comme vous voudrez. C'est mignon? Enfin. Oh. Je vais. Vous avez entendu? Il y a eu un petit bruit. Enfin. Là. Ça fait apparaître un pendentif de mana. La vie pour la horde. Inventaire. Et comment j'y vais là? Comme vous voudrez. Je vais y penser, chef. Travail terminé. Que puis-je faire? Les démons ont bien œuvré. Vous êtes devenu aussi sauvage et cruel que. Attendez, mais si la quête c'est du scénario, c'est que. Et que scénario s'il vient mourir. Qui essayez-vous de convaincre? C'est compliqué pour lui quand même. Que vous pensiez, vous ne valez pas mieux que la bile fétide qui coule dans vos veines. Ah, que tu crois, mec? Soyez maudit. Engeance de démon. Bah, il est mort. En fait, il a craqué le monsieur. Ouais. Le demi-dieu n'est plus. Et voilà, hein. Le clan champ de guerre est tout puissant. Ah ouais, mais mon gars, mon gars, t'as merdouillé, parce que moi, je voulais prendre mon temps, je voulais attaquer toutes les bases, je voulais tous les défoncer, et toi, tu viens? Et tu te donnes tout seul? Ah. Nous nous retrouvons, Gormash. Manoroth, c'est impossible. Il est temps pour vos frères et vous de rentrer dans le rang. Vous avez manqué à votre devoir envers la Légion Ardente, mais vous pouvez encore me servir. Non, nous sommes libres. Misérable créature,
Je suis la rage qui fait battre vos cœurs, la fureur qui attise vos pensées. Je vous ai octroyé le pouvoir de semer le chaos, et par le vide infini, vous vous plierez à ma volonté. Ah bordel. Et ouais, Garrosh, t'as merdouillé là. C'est vraiment notre Arthas Morvillon, notre Arthas Orc lui, hein.